can make clothes De la construction dans l'autre studio. Alors, on est dans le sous-sol. Ça <laughs> me <laughs> présente De Nico. À... Ouais. <laughs> on est chez Nico. Ouais, et on a eu peur. Euh, René Lévesque, il nous a pas suivi. Non, non il est là. Il est... Oui, mais juste. Ouais, il est là. Non, non, hey, voyons donc. Je <laughs> crois que tu n'aurais pas suivi. Ben, c'est ouais. ça. Il va attaquer un petit peu sur toi. Vous Voulez-vous une cigarette, mademoiselle <rire> <rire> Oui. <rire> Je veux bien. Ferais-tu l'amour à René Lévesque si tu étais, mettons, dans <laughs> 78 euh. <laughs> ouais. Ben, s'il veut bien de moi, je vais pas le forcer. <laughs> tu jamais agresser sexuellement René Lévesque. <laughs> je voudrais pas agresser sexuellement René Lévesque. Je, je lui demanderais si ça est tendre. Puis s'il dit oui, euh, j'irai de l'avant. Puis s'il dit non, je respecterais sa décision. <laughs> je suis content d'entendre <laughs> ça. <rire> <Okay>. <rire> Toi, J'enculerais jamais René Lévesque. Est-ce que tu te ferais enculer, par... Non plus. Okay. C'est là où mon souverainisme m'arrête. Ok. Est-ce que t'enculerais un, un fédéraliste? Non plus. Ok, <laughs> c'est réglé. Je vais juste enculer du monde neutre. Je vais enculer ah. du monde qui irait pas voter au référendum. <laughs> c'est juste eux, les eux Qui s'abstiennent. <laughs> ouais. C'est juste les pourcentages qui s'abstiennent, c'est les seuls qui font de la Ok, parce que tu veux. Tu veux les punir ou tu veux les. Il n'y a, récompens... a personne qui est récompensé par moi qui fait de l'année avec eux autres. Ah! C'est ah. pas une grande ah ben... récompense. <laughs> ben, J'ai jamais voulu récompenser mon amour. À chaque fois, je voulais laisse faire. Tu m'aimes <laughs> T'as une leçon. Okay. <laughs> ah! C'était pas ça qui était prévu au début. Non. Hein. Mais c'est meilleur. C'est meilleur. <laughs> non. Ce dont on voulait parler, Oui. c'est euh, toujours. Moi, je, ce qui nous fascine les deux euh, dans la vie amoureuse, c'est lorsqu'on lorsqu passe d'une relation à une autre. Parce que les deux, on est deux dépendants affectifs qui peuvent pas être seuls plus que 20 secondes. Mm -hmm. faut toujours qu'on ait quelqu'un dans notre vie. Mm -hmm. Fait qu'on passe toujours d'une relation à l'autre. Oui. Et un truc qu'on a observé, c'est que c'est toujours particulier quand tu termines une relation, oui. puis tu, tu règles des choses avec la nouvelle personne que tu as voulu régler avec la précédente, mais qui n'a qu pas rapport. Oui. Comme moi, c'est une chose que j'ai déjà vécu. Mon ex, avant toi. Elle était mal à l'aise que j'aille jouer au hockey le soir. Ouais. Elle comme, comment ça tu vas jouer au hockey? Ouais. Comment ça tu passes pas du temps avec moi? Mm. Puis elle pensait même que j'étais gay. Ok. T'es comme, voyons donc que tu préfères prendre ta douche avec des acteurs plutôt que passer du temps avec moi. Puis je sais mm. pas comment y expliquer. C'est toutes des choses qui ont pas rapport. Laisse-moi jouer au hockey. Puis tu me donnes juste. C'est pas ravi... contre toi que j'aille jouer au hockey. Ouais! Tu n'as rien contre... à voir là-dedans. Puis elle aimait en pas, pas ça entendre. Mais est-ce que c'est parce que tu passais pas assez de temps avec elle? On passait énormément de temps avec. Oui! Okay. <laughs> T'as pas ça. t'as pas ça. <laughs> okay. t'es vraiment pas ça. OK. Puis, ouais, laisse-moi juste aller boire puis crier dans une arena, là. Ouais, ouais, OK, oui, oui. Je laisse cette femme. Je m'investis beaucoup dans le hockey dans, <laughs> dans mes deux relations. Oui. <rire> <rire> mon, mon vrai rebound, c'est Michael Gouin. Ah! <laughs> Je peux hockey. comprendre. <laughs> Tu voulais soudainement passer beaucoup de temps avec Michael, ouais. Gouin à l'arena. Bon. Ah, je comprends. Moi, j'aurais aimé ça moi aussi. C'est ça, mon entre-deux. <laughs> on n'a pas accès aux mêmes gens. Un <laughs> truc qui s'est produit, c'est quand j'ai commencé à sortir avec toi, je me suis dit très tôt, moi, je mets mon pied à terre. Je vais aller jouer au hockey, puis ah il oui. rentrait rentrer dans la tête. Ah oui, mais me mmh. le ferais pas faire deux fois, là, la crise du hockey. Fait que tu te rappelles, je <laughs> me rappelle, j'étais... C'était mercredi, c'était 9h10. Puis j'avais oui. mon stock d'hockey, puis je regardé regardais d'un yeux. Ouais. Tu jouais sur ton cellulaire, oui. t'écoutais un petit film. Ouais. Puis tu dis on va jouer au hockey! Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je me rappelle avoir dit que tu le <laughs> veuilles ou non. Oui! Oui! <laughs> Chose que tu m'as jamais exprimé, que tu voulais pas, que je suis calé sur mon cas. Et ce qui était super drôle, c'est que, toi, dès que je sors de la maison de contente. Oui. Surtout le soir. Oui. Yes! Il n'y a pas le oui. gars qui veut tout le temps attention. Fait que je me rappelle le moment où j'avais mon stock d'hockey. Je te regardais dans les yeux, puis j'essaie de te convaincre de quelque chose. Que... Mais, puis aussi, je me souviens parce que ça m'a marqué, parce que t'avais comme un peu. J'avais toutes, toutes les émotions, je les avais toutes senties. Je chantais ta rage. <laughs> C'était clairement un PTSD. Oui. Puis t'avais genre le moton dans le gars. Genre, oui. là, 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 je m'en vais walker. Puis tu peux pas m'en empêcher. Je parlais à toi, mais je parlais pas à toi. Hey, C'était clair, clair là, comme de l'eau de roche. Puis là, j'étais juste comme. « Ben oui, vas-y! »« Arrête d'être entre moi et Mickaël. <laughs> »« Moi, je suis, je suis, ce que je vis Mickaël, ça te regarde pas. »« Je me souviens très bien, tu m'avais dit, Pis, ça se peut qu'après, on prenne une blague. <laughs> »« <laughs> Fait que je vais pas rentrer tout de suite. »« Puis j'étais comme, ma seule volonté, c'est que tu me réveilles pas en revenant. »« Et j'ai jamais... » Respectez cette volonté. <laughs> jamais. Parce que moi, parce qu'on ne paie pas une bière ou deux, il y avait toujours Fenty que je salue, le gars le plus drôle du monde. Fenty. Il oui. y a toujours la tequila, mettons. <rire> <rire> il y a des les gars, voulez-vous la tequila Ben oui, pourquoi pas. Alors voilà, ça c'est le bout du hockey. Oui. c'est euh, ça. ça. Ça me fait et, plaisir euh, je me plaisir. Et je me suis pété les cheveux et déchiré tout. A glu, là tu ouais. peux aller au hockey. <rire> <rire> de voudrais te réinviter cette semaine. Oui. Une humoriste que j'adore, un humoriste que j'admire. Maud Landry! Ah, oh, c'est réciproque! Merci, allô! Bienvenue! c'est quoi ton rapport Merci. au hockey? Merci. Bien, c'est ça. <laughs> j euh, je me suis demandé récemment, voyons, pourquoi euh, ça ne m'intéresse pas, le hockey? Puis j'essaye, mais ça fait des années depuis que je suis « kid ». Que je fais semblant d'aimer le hockey pour plaire à des garçons, mais vraiment semblant. J'avais acheté un t-shirt de Kovalev, super serré, on se rendait à trois. <laughs> J'étais comme, j'aime le hockey, wouh! Mais je m'en <laughs> là, bien raide. J'aime jouer au hockey, mais je, le regarder, je n'y connais pas. Je suis contente pour eux, ils ont du fun. Puis là, j'ai réalisé, j'ai eu un souvenir qui m'a popé dans la tête de pourquoi je pas le hockey. C'est mon père qui me dit, monte tasse-toi de la télé avec agacement. Parce mm -hmm. qu'il écoute la hockey, puis je suis là, je veux son attention, donc j'associe ça à pas avoir l'attention de mon père. C'est ouais. incroyable. J'aime tellement ça. Ouais. Mais je suis contente de l'avoir réalisé. Ouais. Waouh. Wow. des amour. fois c'est des mois de thérapie hein, pour oui. arriver à ça. Oui. c'est comme euh, c'est comme toi avec euh, ton ex. Moi c'est réglé que mon père dans ma tête, moi ouais. je règle ça avec les prochains garçons. En, coupe-moi encore les ok <laughs> Donne-moi <laughs> de l'attention à moi. J'aime ça. Ouais, c'est ça. Puis là je vais arrêter de faire semblant d'aimer ça pour oui. te plaire. Mais pour vrai, je, je, vous aussi ça vous est déjà arrivé de faire semblant de vous intéresser à quelque chose ben pour quelqu'un Un ben ne serait ce qu'une activité Ben euh... oui. Ben oui. C est, c est, ça, ça se fègre pas de l'intérêt. Les sports en général, ouais. j'ai pas d'intérêt. Fait que je pense que ça fait. Je suis rendue comme à mon cinquième garçon qui m'explique les règles <laughs> du tennis. Je les oublie automatiquement. Ou oh, les points, ouais. J'aime ça, regarder le tennis. Les gens sont très bons. Mais ouais. tout le système de pointage, ouais. j'oublie dès que c'est fini. Tout ce ça, qui t'intéresse, c'est le cul Nadal. Oui, je suis là. Je suis là. Je suis allée voir aussi. Euh, euh, voyons. Je là. Merci. J'étais comme « Celle qui vend des bonbons, c'est ça que je m'en allais dire. » Elle a une marque de bonbons qui s'appelle Sugar Pauva. Tu vois, ça, je suis plus au courant. Sugar Pauva. Ouais. Ah. Ouais, ouais, ouais. Fait que ça, tu vois, je cherches des affaires, pas au courant, mais je sais pas les règles. En 45, puis 3-0, tout est comme ça. Love, là. ça me fait rire à chaque fois. Je suis comme « Love ». Mais je sais pas pourquoi... Un love? cest un love en français? Non. Un love, euh, en anglais, ils disent, mettons, quand c'est 40-0, ils disent « 40 love ». Zéro, c'est love. Ouais, ouais c'est beau, hein. C'est beau, mais. Pour, semblerait d'où ça vient. Semblerait que ça vient du français. Okay. Qu'un un zéro c'est un neuf. Puis love puis f, ça se ressemble phonétiquement. Neuf. Love Un neuf. Ouais. Un neuf. Ouais. Ouais. OK ça serait ça ok wow ben, ah, semblerait... j'aime ça les funfarts il semblerait qu'il <laughs> qu y a plein de choses au, au tennis ça, fait, ça vient tellement longtemps qu'on ne sait pas trop d'où ça vient mm. Donc, il y a beaucoup beaucoup d'explications tu sais, les points c'est pas normal c'est pas mettons 1-0 2-0 3-0 4-0 c'est mettons 15 30 40 ouais. Puis on ça sait on pas sait pas, pas vraiment trop vraiment pourquoi. Ouais. ok bon ben je suis pas si perdu que ça de pour, non, euh, pas autant ouais. que ça non. C'est ok merci merci à tous fait <laughs> Chirapova ouais qu'est-ce que tu as vu Achette de Chirapova ben, je l'ai vu. En fait, ce qui m'a marqué, c'est qu'on était allé la voir, euh, je me ai dit répéter, mais pratiquer. <rire> 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 elle répète répéter! répète ses sons, là. Je suis <laughs> allée à la générale devant le public. <laughs> <laughs> c'est pas mal, ça. Ouais. Okay, c'est ça. Puis, à euh, jouer en après-midi euh, au stade de Unipri, au Parc Jarry. Puis, euh, c'est ça, c'était un entraînement, puis il faisait super chaud, il faisait gros soleil. Puis je la vois jouer pendant tu sais c'est long là leur entraînement en tout cas, bref, je me souviens plus si c'était combien de temps mais bref une bonne heure au moins et moi je suis dans les estrades à l'ombre et je dégoûte de sueur en dessous des seins les cuisses me collent puis là année je vois sur le tableau qu'on a le même âge elle puis moi <laughs> Puis elle, ça fait genre une heure qu'elle joue en plein soleil. Puis elle Tout ce qu'on sur rien. Respl... Exact. Elle, elle est plante. À la fin, il y a des enfants qui veulent prendre des photos avec elle. Elle est comme bien sûr. <laughs> puis elle est d'une beauté bon. légendaire. Puis moi, je suis juste. Même assise mange. avec mes pinottes. <laughs> puis je suis digue. Chaque minute. Un millionnaire, <laughs> mais ça beauté, ses <c> frites, <laughs> assurée. Je suis plaque et rouge c'était épouvantable, ah, faque essoufflé de manger. <laughs> de <sport. rire> ah oui, c'est <Exactement. rire> oh, voilà. génial. Mais je sais ça, je les admire beaucoup les euh, sportifs. Les joueurs, Mais on les eu un peu aussi. On va, on va se le mentionner. Mm. Mm. Un petit peu de mal jalousie mal placée. Est-ce que t'es sportive, Maud? Oui. C'est vrai? J'aime les activités physiques. Ouais, j'aime jouer, j'aime courir, j'aime m'étirer. Tu okay. J'aime t'étirer. Ouais, je m'étire souvent, ça me fait full du bien. Très comme cool. un... Est, on, est, on est supposé. Oui. exposé après, le... après, je me demande pourquoi j'ai tout le temps mal. Ben après, ouais, si tu oublies de t'étirer après du sport, t'es raqué le lendemain. Oh. Ben, j'ai toujours été popé sportive. J'ai déjà, uh, back in the days, uh, en dessous de la table, j'entraînais des madames en aérobie. Bah, wow, en je veux tout savoir. Elle... Ben, savoir. Ben, ma prof Et de ballet, elle m'avait dit qu'à un moment donné, je peux pas rentrer travailler, j'ai un cours d'aérobat à donner. Peux-tu le faire à ma place? Elle me donné un peu comme les... Les moves, me <laughs> montré ouais. comment faire. Puis j'ai remplacé deux, trois classes devant le miroir avec des madames qui essayent de suivre là, comme ça. Puis j'ai eu du fun. Hein? Ah. La première fois que je dis ça. Combien t'es payé pour faire ça? Oh, j'étais payé comme. J'avais 16 ans. J'ai payé 70$. C'est bon! C'est ah oui, bon, bon! pour bon. un... C'est de la belle argent! a ouais, des petites jobines en dessous de la table de là même. Là, mais ouais. Waouh! Mais c'est que c'est bon. Moi, c'est genre ma paye pour une semaine. J'ai genre coutu. De <laughs> <laughs> mais non, mais c'est vrai pareil. Tu pas à gérer des tu peux pas gérer des qui faisaient de la méthadone. <laughs> c'est quand même bon. Hey, c'est vrai que ça faut que tu gères des faut que tu gères des, des méthadone. Tu tu géré ça de la méthadone Je me souviens qu'une fois, j'avais euh, donné les médicaments à quelqu'un qui faisait sa trithérapie. Ooh. Trithérapie, c'est pour ça, les trois, trois étapes. OK. C'est Trithérapie. <laughs> Mais probablement. <laughs> mais honnêtement, je sais pas pourquoi <laughs> ça s'appelle comme ça, mais ça a sûrement rapport avec trois quelque chose. C'est possible. Les 12-step program Puis bref, j'avais transvidé les peaux. T'sais, il fallait donner une certaine quantité de, de, de pilules, mais c'était la quantité exacte dans laquelle le pot original venait. Fait que lui, il était habitué qu'on lui donne juste directement les pots mais moi, j'avais transvidé les pots Puis il avait pas aimé ça parce qu'il avait ses habitudes, puis tout ça. Puis mm -hmm. il même... a peur de mourir. Mm. Puis là, le... Ça m'avait vraiment euh, attristée parce qu'il oui. était vraiment pas content, puis je me sentais vraiment mal, puis je, en, je savais que c'est parce qu'il est dans une situation pas cool. Tu sais. Tout à fait. Mm. Fait que c'est ça. Je pense que une des fois où je me suis le sentie plus mal en hein, service à la clientèle. <laughs> fait qu'après ça, quand je travaillais genre chez Simons puis que la madame était pas contente de son bord de pantalon, c'était ça. Il y a <laughs> yeah. des choses. Tu pas une addiction ouais. à l'héroïne. C'est ça. Calmez-vous. C'est ça. ça. Il y a des choses pires, tu sais. Mais il me semble c que j'ai l'impression que c'est ça le service à la clientèle, c'est se sentir mal la plupart du temps. Je me sentais, je me sentais jamais mal, moi. Non? Voilà, dorée une crise après. <laughs> Puis je me suis me arrangé avec lui. Attends, je veux imaginer Thomas quel service à clientèle tu faisais ça? Tim Hortons. Oh <laughs> Je suis Tim Hortons. Wow. Je veux des vidéos. Je veux des choses comme je veux un 2-2 parce que tu veux du lait. Tu devrais le savoir, c'est de la crème, je ne ouais. le sais pas. Je dis à, je dis à des messieurs, tu m'intéresses pas. Je sais pas c'est quoi 2-2 <laughs> puis je l'entends souvent. C'est quoi 2-2 2 grammes 2 sucre. Ouais. Ça 2 crèmes 2 Ouais, moi je ne pensais pas que c'était ouais. du lait ou de la crème. Mais moi, aussi, puis moi souvent, je refusais de leur donner. Des fois, ils me disaient, mais je veux 3 crèmes, 5 sucres puis je disais non. C'est trop. C'est trop. C'est oh. trop. Je ne vous, ouais, vous recommande pas ça. Ouais, puis ah. je vais donner 2 laits. « T'as être un sucre. Puis me dis, tu peux pas faire ça, puis je, je peux. Puis je te donnais. Mais c'est vrai qu'il y en a qui mettent comme ça de café, puis le reste, ouais. c'est juste du. Euh... J'étais un très mauvais employé. Moi aussi, j'étais. Ouais, j'avais un Mais volontairement. Un peu moi aussi. As quand on me disait, tu ou... vas me donner, je faisais ah. bonjour. Ah, ah non, J'attendais mon même. bonjour. Oui, j'aime ça me faire Je disais avec... de rien quand le monde me disait pas merci. Ah, t'étais-tu au thème, toi aussi? J'ai fait plein de places. OK. Mais genre, un Starbucks, euh, des, des caféines, même, des smoothies. Jamais les gens sympathiques, mais les gens comme ça, là, qui étaient wacks ouais, avec moi, j'étais. Je, que je voulais je voulais leur enseigner je comprends mm. j'aime pas les gens rude avec le service à clientèle ça mm -hmm. me dérange moi ça, ça me dérange. tu mérites pas ça tu as le droit de travailler chez tim me semble moi j'acceptais qu'on me traite comme une machine distributrice ah ouais ouais T'aimais ça j'adorais ça ce que j'aimais pas c'est ceux qui me posaient des questions sur ma vie privée ou qui s'ouvraient sur leur vie ah ça j'avoue puis je leur disais je suis lendemain de speed <laughs> fait que traite-moi comme je suis un robot s'il te plaît un passé de speed euh... ouais. C'est quoi cette période-là de ta vie? T'as le fun? <laughs> c'est que quand tu prends des pilules, tu, tu penses que t'es heureux. Mais c'est fort du speed. Ouais. Si j'en ai en fait une fois euh, fin secondaire là, pour. Ben c'est pas de bon sens. C'est deux nuits sans dormir, ouais. c'est. fort là. Ouais? C'est grincer des dents? Ouais. C'est être désagréable? Ouais! <laughs> C'est comme ton mode de vie de rave. Ouais! Mais toi tu es sens invincible, là? Est, ouais. Tout est possible. Tout. T'as l'énergie pour tout. Puis tu Mais fais tu rien. Tu pourrais le faire. Tu penses beaucoup. Oui. Ouais. Ah ça, je pourrais faire ça. Je ferais jamais. Mmh. <laughs> ouais. ouais. Ça, c'est le speed. Tu comprends. C'est ce que tu pourrais faire. Bon. Est-ce que si je prends de la méthadone, c'est comme si je prenais de l'héros? Ça semblerait que oui. Ça semblerait que ça buzz. Ouais? Si t'es si si pas accro à l'héroïne, ça semblerait que ça buzz. Ça ressemble à ce buzz -là? Tu penses que oui? Parce qu'au départ, l'héroïne, c'était pour arrêter l'opium. Ouais. L'héroïne, il semblerait que. que c'est une opiacée. Ouais. Oh. C'était pour arrêter l'opium. C'était une merde. Mais c'est devenu en soi une drogue. Ouais, ouais, je comprends. Parce bon, que beaucoup de moi, au lieu d'étudier à l'école, je m'enseignais en les drogues. Ouais. Ce que ça m'a donné, un petit moment au podcast. <laughs> que des gens sur YouTube vont m'expliquer que c'est pas vraiment ça. Tu fous que t'as fait ça, des ouais, gens sur YouTube vont me dire non, Thomas, ils veulent On un article. Fait, moi aussi. <laughs> Merci, gens sur YouTube. Mm. Qu'est-ce qu'on ferait sans vous, mm, vous vrai. Tombe pas en amour pis essaye pas de trouver une <laughs> un carrière sens à que t'aimes. Ta <laughs> non <rire> Non <rire> Il y en a pas. Trouve pas un sens à a ta pas vie. Il euh, Bloque-nous. Puis chiale <coughs> puis il voilà. mm. Parlant d'héroïne, tu tripes sur le air metal. <laughs> c'est vrai qui était le but de se passer un air, du air metal c'est comment on pourrait payer oh. pour notre héroïne ah oh oui faire de la musique plate oh, <laughs> plate Nico 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 est musicien Nico je suis là l'air metal c'est de la bonne musique c'est un peu overrated, moi, je trouve. Air Metal, c'est quoi qui définit l'Air Metal? C'est à cause que les gars, ils avaient les cheveux pleins de spray net, là. Puis vraiment, oh, comme ils bourriflaient. Oh, air Mais, Metal! Oui! oh je pensais comme Air Guitar. Non, non. c'est ça, c'est Air pour les cheveux. Mais moi, oh. t'es pas tout seul à pas savoir c'est quoi l'Air Metal, puis c'est correct. Tchou. Parce que l'Air Metal, c'est un mouvement de musique fin des années 70, 80. Leur pic c'est, mettons, en 84, 85. dur Air Metal, c'est, mettons, Poison... Motley Crue, Def Leppard, c'est du métal, en guillemets pop. C'est du rock pop, c'est du, du la musique où la plupart des chansons, c'est sur le fait que les femmes sont spectaculaires. Il faut leur faire l'amour pour leur faire mal. Qui d'autre fait ça? Mal? Ben, girls, girls, girls. Girls, girls, girls. I need a new toy. En faisant référence à. <laughs> Il veut s'amuser. Le Ben s'appelle Poison. Genre, ils disent qu'ils sont toxiques. <laughs> Le Mais. Il y en a t qui ont eu des allégations dans oh, ces Ah, Ben. Zéro, c'est comme euh... passé inaperçu. Ben, pas c'est basic. En 84 ce que tu pouvais faire qui était accepté c'était différent. C'est ça, il y a une mm. période de sex drug rock, rock and roll où ça tu sais, c'était legit à ce moment-là. J'ai l'impression que c'est le contexte. L'impression que la violence dans ce band là la violence conjugale c'est récurrent là. C'était la base de ouais. la relation. <laughs> c'est ça. qui a soudé les gars ouais. du band dans <laughs> ça. C'est c'est hate passion, ouais. oui, oui. <laughs> Puis souvent c'était des c'est un mouvement qui vient beaucoup de, de la Californie. C'est beaucoup de balades, c'est pas de la musique très très compliquée. C'est vrai que c'est pas élaboré. Non, c'est de la musique. C'est pas... C'est pour, pour donner une idée, le air metal, c'est un peu comme le, le, le mumble rap en ce moment. C'est des gens qui sont. C'est quoi le mumble rap? Le mumble rap, c'est du rap où tu comprends pas vraiment quand Rip parlent, est un peu comme ça. Il y a ah. Word, comme oh, ça. Mumble. Mumble. Ah, mumble rap, ça vient de là. Post Malone, c'est du air metal un peu. C'est-à-dire que ce qu'ils mettent de l'avant, les... c'est pas vraiment leur talent musical, c'est plus leur personnalité. Souvent, les gars des tatou, Leur esthétique est très important. C'est ça, le, le but, c'est de faire des gros. Ça dans dit dans l'auto-ensemble, puis j'aimerais avoir l'avis de Nico là-dessus. On a essayé de déterminer que, quel ben était plus un band pour enfants oh ouais. entre Def Leppard <laughs> et les Beatles. Parce que ah, moi, selon Beatles. moi, merci! Ben oui, la guitare comme ça. Exactement! Ouais, ouais, ouais. Les thématiques sont plus abordables aussi. Ben oui, l'autre a quasiment l'air d'un soft porn. Je comprends que des fois, les Beatles peuvent parler de guerre, mais. mais <laughs> ben là, Yellow Submarine, c'est une tune pour enfants. Là d'accord avec ça c'est très complexe avec des Beatles c'est soit c'est soit des tunes pour enfants ou soit des tunes comme que, que, qui ont fait quand ils étaient complètement pétés sur l'acide la, thune, tu sais. la, la fin de, de Revolver c'est quoi la dernière chanson de Revolver c'est Tomorrow comment ça euh, un peu là, non, non mais, de mais c'est des, des grands ça. musiciens. ils ont changé la Reverse. Tomorrow musique. Never Pas. Dies non <laughs> Mais je pense que quand même, Beth Leppard serait plus accessible pour un enfant dans un ah char, ouais? mettons, là, que, que ah, okay. les Beatles, j'ai l'impression. Ah ouais, hein? ouais. c'est pas fou. Genre écoute, ça... là, tu sais. Je pense que ça dépend de quel moment de la discographie. C'est très des... complexe, des Beatles. la musique des Beatles. Je toi, 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 toi. Ok, je vais le mentionner. Là, ça, ça, On est deux quoi. contre deux. Steph. <laughs> Steph aime mépriser ce que j'aime. Puis, depuis que je sais que les Beatles, j'y respecte, elle aime blaster les Beatles. Oh! Elle tripe sur Elvis, Steph. Je respecte Elvis. C'est pas, pas là que je m'en vais. Mais j'ai appris dernièrement que sa chanson préférée d'Elvis. nous donnes les Beatles! Ah! <laughs> que Elvis a pris! <laughs> Laquelle? C'est quoi déjà? C'est. Something, euh... oui, something, something in the Way. oui, c'est something. Something. Ouais. C'est pas Elvis le fait avant? Non! <laughs> c'est le Beatles, qui ont copié Elvis. Non! <laughs> <laughs> il y a pas mal de chansons. Fait... Non, c'est elle. Elle a juste fait des covers. Oh, seigneur. <laughs> oui, fait que voilà. Il la chante dans son spécial live à Hawaï que je recommande à tous. Live, live à Hawaï. Hawaii. Ouais. Mm -hmm. C'est ouais. bon. Bon, c'est bon là, les Beatles. Oui, c'est genre, oui, tu me que les Beatles, oui, oui, c'est genre, c'est si, mon amour. Ok, Marie Fockflosch, les Beatles, Elvis, Def Leppard. J'en mmh. bats. Ok, on fait ça. Ok, ok, ok. Euh, c'est pas kill. Ouais, mais moi je tsume. Ok. Je plus sur internet, on peut... Ouais. Je t'écoute, mon amour. Ah. Elvis, Def Leopard et Monty Crew. Ben, je me débarrasse. Monty Crew ou Def Leopard. Non, c'est Def Leopard, Elvis puis les Beatles. Ça, c'est un good catch, le gars, quatre gars. c'est les trois. Ok. On est fait. Fac, je me marie pas avec Elvis parce que. Au de la peine. Oui. Ah, meilleure affaire qu'on a prise, meilleure affaire qu'on a prise sur Elvis. Quand il a divorcé avec Priscilla, hmm? ils sortent. Ils viennent de signer papier. Ils sortent. Le, le dernier moment ensemble, il a chanté à l'oreille "I will always love you" de Lee Parton. Ouais. <laughs> Ce qui est le, le plus crade. <laughs> bon. ouais. Elle se décroche la russie ouais, ouais. là. Ouais. Elle pogne par les hanches puis il chante "I will always love you" avec c'est à d'Elvis, C'est Pour vrai. Plus, ouais. ouais. Euh... Ce qui à mon avis fait de lui le meilleur gars. <laughs> Let's go Elvis. Il a l'air le fun à divorcer. Ouais. fille qui a marié à 14 ans aussi. Là. Il est tombé en amour avec elle à 14 ans. Ah oui, ans, mais c'est pas le seul. Jerry Lee Lewis aussi a marié sa oh, mais cousine lui, de 12, que 12 ans. C'est qu'il a, il a, il a, il a, il a assumé totalement. Oui, c'est oui, ma oui, cousine, elle a 12 ans. Ouais. Si vous êtes pas à l'aise tant pis pour vous. Vraie affaire. Vrai. Et ouais. qui s'est fait mettre d'or de, du rock, mais il a juste fait du country parce que dans le milieu country, c'est accepté. C'est la meilleure oh affaire. Oh my God. Dans <laughs> le milieu country, c'est accepté. Bah vu que tu c'est vraiment en fait ça nous aide non Louisiane, c'est ça qu'on fait, voyons, c'est pas un problème. Il a continué à être un super musicien. Euh. Fait que je pense que je marierais. Euh, je marierais Def Leppard parce que. Je... On dirait qu'Elvis serait vraiment en amour, fait que ça me ferait de la peine. Je Tandis que si je marie Def Leppard, je sais que c'est genre ludique. Je t'entends. Puis, euh, je fuck Elvis, assurément. pour tu qu'il bande avec les pulls qu'il prend? Je veux tout savoir. C'est ça, je veux savoir <laughs> s'il est bon ou pas. tiens puis, je veux savoir si ses si, si, si poils sont lustrés partout. <laughs> S'ils si sont d'un noir luisant partout. Ah, oh, c'est hallucinant. Ou si, genre, il est soudainement en haut <laughs> oui. du pubis. Ah, oh, ouais. C'est vrai, pourquoi pas? Il y a l'air d'un petit peu un haut. Le sperme d'Elvis doit goûter dégueulasse. À cause de ça. Ben, sa... Mais il n'y a pas une très bonne diète ouais. il prend tous les médicaments disponibles. Ah, ouais, c'est sûr, ça doit goûter à la poudre. Ouais, ouais. <laughs> ça doit être comme sec, sec, sec. Surtout là. Pis flash. Oui, surtout là. Tu tues les Beatles. Ouais. Tu tues un ghost star, mais c'est réjouissant. Tout le monde à Central Park. là. Oui, tout le monde, s'arrête, J'ai le dans dans la tête. Moi, je sers, là. Blanc, Je suis du monde, le plus possible. Bon. Moi, je marie les Beatles. On fait un bed-in après, tout ouais. le ensemble. Oh, je ouais. fais un album avec eux autres. Ouais. Euh, je, je couche avec Elvis. Je comprends ça. Il y a quelque chose dans la voix. Je suis une fille de voix, j'aime sa voix. Puis euh, je suis Def Leppard? De... J'ai pas. <laughs> <laughs> je touche pas à ça. Oh. Wood a slippered. Est-ce que tu pends le drummer qui reste le... un bras juste partout <laughs> <qu 'il> <laughs> <laughs> <Eww>. oh. <laughs> C'est pas drôle C'est pas, <laughs> ah, hey, pas drôle C'est Pauvre Rémo, décroche-moi. C'est pas drôle Les gens à côté sont vraiment pendus, <laughs> puis ils <gars. rire> ben, oh. <laughs> Hey, mais j'aime qu'on a ajouté un step à, au jeu ouais, en ouais, ça, le décrivant comment tu le tues. Oui, clairement. Moi je lance clairement. dans la cite des flappards. Oh. <laughs> comme là, dans Terminator oui. 2. Je le mets dans, dans du, dans du ouais, truc. Mais ou genre Hervé, comme genre le Joker. Fait que là c'est déjà un Ben <laughs> parfumé. Là sort... c'est genre. <rire> <rire> un <laughs> un Ben <band> parfumé <laughs> qui aime pas la société. Et <laughs> <Ils sont> soudainement <laughs> <-y> en blanc. <laughs> ouais. Il va à la société mais il n'a pas de bon sens. <laughs> ça je fais ça avec le Ben. Je baise les Beatles. Ah! Oh. Okay. Avec, Yo, avec un, Yoko. Ah oui, genre Yumin saint Ouais. Puis Yoko Ono est là. Yoko Ono, a fait un. A nous une un nous met œuvre d'or avec... avec ça. un <laughs> fait une œuvre d'or avec, avec l'orgie. Et euh, moi, je veux vivre dans l'opulence d'Elvis. Oh, oui, Fait que tu te maries, ouais, ben oui. Hey, L'époux d'Elvis est con. Elle cool est à Graceland. Que... Voilà. Grande ouais. maison. Je vais faire amener des filles, je tripe. Pas fou, Ouais. Je gère gère la. La Memphis mafia. Ouais. <rire> <rire> le peu plate. Explique nous c'est quoi la Memphis mafia. Ben c'est son entourage d'amis à qui il versait des salaires. Ouais. Euh... C'est des gars pas d'éducation qui entouraient Elvis qui leur faisaient des salaires puis quand le on les disait Elvis a des problèmes la mafia disait bien sûr que non, non c'est un mode de vie tout à fait adéquat ah. de prendre toutes les pilules pas dormir pendant trois jours puis faire neuf Et concerts. Pas tu es d'avoir tout le temps une coupe de gars à la maison que tu sais pas trop pourquoi ils sont là puis finalement on chill tout le monde. Je plus sur le fait que beaucoup de femmes voulaient coucher avec Elvis mm. et qui pensent qu'en couchant avec moi, ils vont y arriver. Ah, plus vrai, ça hein, que j'aime. Par procuration, ouais, ouais. j'ai ouais, couché avec le, le gars de... qui s'y ouais. avec Elvis. Waouh! Wow. Ouais. <laughs> C'est plus ça ce qui m'intéresse que le gars qui ne sait pas lire. Ouais. qui m'explique <laughs> qu'est-ce qu'il pense de quelque chose. C'est plus ça. C'est Joe Esposito. Hein, ah, un pas si. de la même Memphis Mafia. Oui, oui. Puis je me souviens quand ils ont lancé Elvis Story, là, le ouais. limitateur québécois. Martin Fontaine. Voilà, merci. Je me souviens qu'à donné, il y avait roulé une publicité comme quoi, c'était comme ⁇ Approve par Joe Esposito ⁇ Ça, ça veut dire qu'ils ont signé un chèque. ⁇ Approved », c'est... Il a encaissé le chèque. C'est qui <laughs> Joe Esposito? C'était comme son meilleur ami dans la Memphis oh, Mafia. il me semblait. Son nom, c'est Tu sais, quand t'es euh, mort à 42 ans d'une crise du cœur, ton meilleur ami, c'est important. C'est un gars qu'il faut écouter. Là. Mm. Ben était, oui, mais ça, ben oui. c'est Esposito. Euh, toutes tes masters appartiennent à un gars qui s'appelle le colonel. Tout ton publishing va... Oh, ben oui, ah oui. Pour ce que, euh, moi, j'ai décidé que je m'intéressais à la business de la musique. <laughs> même si ça va rien m'apporter. Fait que j'ai des choses comme publishing dans les conversations. Personne comprend. <laughs> Puis Steph, a fait écouter pas Tom. Là, il écoute des vidéos YouTube <laughs> sur l'industrie de la musique parce qu'il pense qu'il va... L'autre qu vraiment... jour, il est arrivé en, cuisine, <laughs> en criant « C'est important d'être propriétaire de ces masters! » je suis comme... Ah oui, mais... J'ai vraiment peur, <laughs> j'ai vraiment peur que ce me fourre. J'ai vraiment peur d'être... toi pas. Oh là là que là. tout le monde même si tu veux me faire signer un contrat de disque. <laughs> mais tu Sposito. joues de la musique, right? monde tu joues de la musique? Oui, je joue, ben je joue, euh, tu sais, autodidacte, là, je m'amuse. Okay. pas Je ne suis, euh, suis pas une prodigue, je pense, mais euh, je joue du piano, de la guitare. Super. je gosse à l'harmonica. Wow. Pendant la pandémie, j'ai réussi à avoir Boyman Rhapsody à l'harmonica. Wow. <laughs> j'ai une partition. Puis là, euh, ouais. Wow. J'aime ça. Puis tu étudies autodidacte, fait que tu t'achètes des instruments, tu regardes ouais, vidéos, ben, yodo, puis... exact, okay. puis des vidéos YouTube. Exactement. Puis j'avais pris des cours de piano enfant. Puis, okay. euh, mais j'aime, je suis une mélomane quand même. J'aime beaucoup, beaucoup euh, différents types de musique. Okay. C'était le fun. Ouais. Aimes-tu les concerts? J'aimais ça avant. J'ai déjà été dans des. Euh, J'étais allée à Bonnaroo, qui est comme un festival genre Woodstock, mais au Tennessee, avec des amis à 21 ans. Puis à l'époque, j'aimais ça, là, les foules puis les bains de foules ouais. comme ça. Je pense que j'ai passé l'âge. Hum. Là, je suis tannée d'être debout avec des étrangers, de sentir leur odeur collée. Je suis pas euh, je suis plus ben. ça bien. Ça se développe il avec le temps, l'agoraphobie? Je pense. Peut-être. J'ai pogné le vertige aussi, j'avais pas ça avant. Ah, ok. Peut-être, j'espère que si ça se développe. Moi je me souviens Ça le vieille pis avoir peur de mourir. Mais ben, ça dépend ouais. aussi, peut-être tu, ouais. tu vis tu vis des fois une expérience qui te marque, puis après ça, ça, ça change ton, ton lien avec une foule ou comprends. avec ouais. C'est plus facile de ça. triper ses foules quand tu pèses 200 livres puis tu mesures 6 si C'est ça, je suis une petite fille, moi. Voilà. Le chaud Wu Tang me fait. J'ai mangé des coudes dans l'œil. Ah, oh, je comprends ça. Ouais. Je comprends ça. ça Excuse-moi. Ben non, c'est pas de ta <laughs> faute. Peut-être. Peut-être moi, les coudes. <laughs> J'aurais pas dû tripper sur ce <laughs> gros Vas-y, <laughs> allez voir. Hé! Hey, On un, <laughs> un show du Wu-Tang, ça va être doux. Quand t'écoutes leur musique, c'est des gars relax, pis, qui, euh, pis les gens qui trippent là-dessus, c'est d'autres gens relax. Ouais. <laughs> moi, j'avais pété une chance. En passant, de... à la plupart des chansons du Wu-Tang Clan, c'est sur le fait que la rue, c'est pas facile, pis vendre du ouais. crack... Tu le fais à, compte, à, compte, à compte ton gré, mais tu pas le choix. Puis que l'argent, c'est important. Cash mm -hmm. rule everything around me. Ouais. Bah, for sure. Mais tu sais, ça, c'est vrai. Ouais. C'est une vérité du capitalisme. Ben bah oui. Mais euh, moi, j'ai pété une crise d'agoraphobie <laughs> au Centre Bell, où je pense en même temps c'est le Centre Mawson. J'étais <laughs> allée voir les Backstreet Boys en concert. <laughs> oh my God. Je me souviens d'être rentrée dans le Centre Bell et tout <laughs> mon être a, a, été a, 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 a rentré dans mon ventre. J'étais juste comme une espèce de boule. Puis il a fallu que j'aille m'enfermer dans les toilettes. C'est sûr. Je capotais. C'était trop de gens. Mm. C'est beaucoup d'air partagé la façon, ensemble. La façon aussi que c'est fait, un, 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 un arena, mm -hmm. tu sais, vu que c'est rond, on dirait que tu vois, tu vois des gens, partout ouais. où tu regardes, il y a des gens. Ouais. Un ouais. Et en cauchemans, plus, hein? dis-moi si je me trompe, c'est une foule assez particulière de Backstreet Boys. C'est des gens, il y, y a une tension. On y a pense y a... tous qu'on a une chance avec l'un d'entre eux. <laughs> C'était qui ton, ton Backstreet Boy Press toi? Brian. Le gars drôle, c'est ouais. ça? Ouais, Hé, hey, le gars drôle! Le gars drôle, mon fils! <laughs> mais aussi. tu l'as ouais. eu un peu eu? Un peu! Je suis ton Brian! Oui, clairement! Oh. Sûr? Mais non, mais c'est parce que tu <laughs> savais, il est comme en vigueur oh. un peu conspire, là pendant ouais. la pandémie. Moi, aussi. <laughs> mais moi aussi. <laughs> Hé, hey, eh, les vaccins, faites pas ça! Buvez de l'eau à la place! Buvez de l'eau! Le jus d'orange! Ouais. Mais parlez-moi donc de votre dépendance affective, vous n'avez pas parlé tantôt. Mmh. Mutuellement, vous êtes... Ben moi, j'ai décidé que je embarqué avec moi. J'ai parlé pour elle. Non, mais moi, tu vois, une année il y, y a une de mes amies qui m'a dit, « Toi, on sait bien que t'es tout le temps en couple. » J'étais comme, « Non! » Elle était comme, « Nomme-moi un moment où t'as pas été en couple. » Ce mois-là. <laughs> il y a genre six mois. T'avais <laughs> trois amants. <laughs> ouais, c'est ça. Là, j'étais jamais toute ça parraine. C'est ça. Fait que, ouais, c'est ça. Ouais. Mais on dirait que c'est... Dans ma tête, j'étais comme... Je, je, ben c'est ça, des fois là, quand t'as des mm -hmm. problèmes ou des pathologies, ah oui, ah oui. tu pense que c'est penses... <laughs> ça. Ah oui, absolument. Fait que, euh, fait que ouais, c'est ça. Mais j'essaie je, de, en tout cas, de croire que c'est pas un problème, là. C'est un trait de personnalité. Ouais, c'est ça. Mais qu'il faut être conscient, puis il faut... C'est ça, oui. c'est ça. Fait que, ah ouais. mais, mais, ceci dit, parallèlement à ça, comme il a dit aussi, je suis super bien toute seule tu sais j'ai pas tu sais mettons là, les soirées reprennent whatever justement un chum qui va jouer au hockey pis tout ça moi je suis suis vraiment pas euh, euh, cool c'est cool je, je le dis en joke mais c'est une vraie affaire elle me plein de shows pour avoir la paix <laughs> quand elle trouve je t'sais t'sais soir boy, alors, là je veux être tranquille je m'en suis on <laughs> envoie ouais Québec tu veux bon, comme... à Québec euh, ouais je suis fatiguée hey, un autre show à soir c'est ton métier puis là je m'installe devant la télé <laughs> Mais euh, non, c'est ça. C'est ça. Fait que je pense que je le gère quand même bien, correct. Ben oui. Toi Moi, déjà ai très mal. Euh, <laughs> deux, deux anecdotes par rapport à ma dépendance affective. Premièrement, comment je l'ai appris C'est par ma psy. Mm. C'est comme ça qu'elle a mis les mots là-dessus. Puis elle a dit T'es dépendant affectif, puis t'as peur de l'abandonner. Mais t'as manqué de mère. T'as été, été abandonnée par ta mère. C'est une voilà. blessure. Et une des choses que ma psy m'a dit, c'est euh, as peur d'être abandonnée. Mm. Je fais, Moi aussi. Non, j'ai plus de peur d'être abandonné par les femmes. J'avais zéro. J'ai vraiment pas peur d'être abandonné. La preuve, je me suis euh, jamais fait te laisser. Puis elle m'a dit, c'est ça, tu te laisses jamais faire. Puis je dis, oh, ouais. Ouais. <laughs> Moi, je laisse toujours mes, euh, les blondes pour, pour qu'ils me l'abandonnent. Et elle m'a fait lire un livre sur la dépendance affective. Et je, je l'ai redécouvert dernièrement. J'ai tout le livre, juste, puis mon signet, il est au chapitre où on peut les régler. Ah. <laughs> T'es rendu à la solution, puis ouais. fait. Non, non. <laughs> no! Fait que oh. voilà. Pis toi, est-ce que tu penses que tu es dépendante affective? Euh, ben, j'ai sûrement un trouble de l'attachement parce que moi, j'ai sucé mon pouce longtemps. Ok. Moi, j'étais l'enfant qui avait pas d'attention parce que j'avais deux grands frères qui demandaient beaucoup d'attention. Ok. Ma mère m'a dit ça récemment. Elle dit, ouais, on était dans le jus à ton, à ton bout. Ok. Je danse pour ça, tu sais. Fait que, ben oui, je pense que je fais de la. J'ai lu là-dessus aussi de la codépendance. Mm. Je m'en rendais pas compte, mais moi, c'était de. Euh, d'aider quelqu'un ou de... Tu sais, j'ai souvent eu le pattern de sauver des gars. Comprends. Comme dans Marde, puis je, je ah bon sauve, là. Tu comprends, comprends pas ça. <laughs> tu sais, comme par procuration, je me ouais. sens plus heureuse quand quelqu'un... Je rends quelqu'un heureux que quand moi, je me rends heureuse. J comprends. Mais tu sais, comme tu dis, sachant ça, sachant que t'as comme faire attention à ça, c'est bon euh, déjà. Oui. De, de reconnaître le problème. Oui, mm -hmm. exact. Fait que là, est-ce qu'en ce moment, t'es en couple, non. Fait que là, est-ce que tu crouses ou tu flirtes déjà? gens? Euh, un peu. J'ai pas beaucoup de temps pour ça, mais ouais, tu sais, je me fais. J'ai ben des, euh, des prétendances, tu sais. Okay. Mais pour de vrai, à date, il a rien qui. Euh, j'ai pas de plan. Il a pas personne qui euh, me fait flasher assez. Puis c'est dur, je trouve, d'être une femme en humour. Pour certains gars, c'est intimidant qu'une fille soit drôle parce que c'est comme le rôle du gars d'être drôle. Ça me fascine, puis ça. Soit j'ai un gars qui essaie de me faire rire, puis je suis comme. Mm. Je connais trop ça pour, que, pour rire de ta joke que t'as as pris d'un livre de Michel Baudry. comme. <laughs> ça, me ça C'est boring, là, ça m'épuise. Faut que tu arrêtes d'aller au bateau rouge avec des hommes de 55 ans. Mais pour vrai, c'est plus, plus commun que tu penses. Il y en a partout. Mais c'est correct parce que c'est tellement un milieu. C'est tellement une passion, mm -hmm. l'humour, puis c'est un, un microcosme que. Alentour, les gens que je connais, je suis plus proche de tous les humoristes que, que n'importe qui. déjà mmh. arrivé. Juste pour ça, tu sais. Ça t'est déjà arrivé d'être en l'air d'être avec un gars, puis écouter tous tes podcasts, puis là, mais il te parle de Mike, puis il te parle de la fois que tu dis ça, puis la fois que tu euh, fait ça. Je me rends pas jusque-là. <laughs> à D'abord, à la conversation, je me rends compte que c'est comme un groupie, puis je, je veux pas être quelqu'un qui, qui. Je veux pas être sur un piédestal. Je comprends. Puis je veux pas non plus être. Euh, mais c'est ça, je sais pas, je, je vais pas, pas, pas trouvé Mais je suis bien tout seul. Mmh. Je, je, je suis tellement occupée avec ma job que mon, mon métier, c'est mon chum en ce moment. Puis je, je, je sais pas, j'apprends. Maurice Duplessis disait la même chose. Ouais, il disait métisse, je, suis, je, suis non, je suis, non, il disait je suis marié à la province de Québec. Oh Ouais, ouais, ouais. Il se croissait sous des drapeaux. <laughs> <laughs> c'est lui. <laughs> oh, c'est cute. <laughs> bon, <c 'est> <laughs> Est-ce que tu comptes ouvrir des orphelinats bientôt ah. toi aussi <rire> <rire> Les orphelins de Landry. C'est <laughs> un mais... camp d'humour là. T'sais? <laughs> mais C'est toi qui en parlais avec une humoriste? Ce qui la, la a la... c'est plat. De nous vous les gars. On s'est incomprise, je pense. Ah ok. Qu'est-ce que je faisais par là Ben vous vous travaillez. Tu sais tu comprends ce que Thomas vit. Mais quelqu'un qui fait pas ça dans la vie être sur scène puis quelqu'un qui me dit ah moi je voudrais jamais ça je suis comme tu pourrais c'est juste que t'es pas aussi passionné je voudrais qu'il faut qu'il faudrait que je share cette passion là avec quelqu'un sinon je me sens comme tu comprendras jamais comment j'aime ça puis comment ça prend la place dans ma vie quelqu'un qui a une job de 9 à 5 puis qu'après ça il y a du fun j'ai jamais ça, je comprends pas le pattern j'ai jamais une blonde qui était pas dans le milieu c'est ça je peux pas connecter avec ce monde là je peux un peu dépendamment de quoi mais il y a une limite un moment donné je suis comme il y a quelque chose que tu pourras jamais comprendre de moi parce que tu le vis pas ou t'es pas, mm -hmm. tu comprends? trouve mm -hmm. tout ça ironique depuis moi qu'on arrête pas de chialer sur Asti, du Maurice, du Carlis, puis les artistes, puis le monde de la télé. C'est votre milieu. Pis ouais, <laughs> est, mais Puis nous, on est deux est Maurice Mais moi, je me sens pas mal de ça, de, de, de critiquer ou de rire de, de, de notre milieu, des artistes, puis tout mm. ça, parce que bien évidemment, c'est parce que c'est ça qu'on aime. Puis ils font dans, dans tous les milieux, ils font ça. Exactement. Puis si si je m'en colle, J'en parlerai juste pas tandis que là, j'adore notre milieu, j'adore ce qu'on fait, mais il y a des choses que j'aime, puis il y a des choses que je trouve ridicules, puis il y a des choses qui me frustrent, puis il y a des choses que je remets en question. Fait que mm. tout ça, j'en parle. Je comprends ça. Tu fait que c'est pour ça que j'avais déjà eu cette question là, j'étais comme tu sais chialer ou critiquer, mais c'est parce, parce que tu cares au fond. Ouais. C'est sain de le verbaliser. Ouais. Tu quelqu'un qui comprend là oui, puis en tout cas aussi. En plus, je trouve que dans notre domaine, dire très haut des aberrations, des fois, ça fait avancer je les choses, tu right? <laughs> ouais. Fait que, euh, fait que je suis à l'aise avec ça. Puis des fois, je peux me tromper aussi là, ou je peux parler à travers mon chapeau. Pour hum. ça te fait dire parce qu'on évolue. Oui. En lançant des idées de. Mais oui, mais oui, vraiment. Tu sais, ouais. mettons les bêtours, j'en parle jamais à moi tu <laughs> Non, non, tu en parles souvent. Mais on est des, j'ai l'impression, à moins que je me trompe, on est des grands remetteurs en question. Ouais. On remet en question nos remises en question. Moi, je, ouais, je chiale, c'est différent. Ben, je... ça vient ça non Non, remettre en question, c'est une réflexion. Comme, mettons ouais. toi, Maud, philippe poudrés, vous remettez en question. Ben ouais. je c'est une, un une forme. Je donne un coup de pied puis je m'en vais. Oui, mais c'est une forme de. C'est une forme d'observation parce que tu chiales sur des affaires que le monde n'a pas remarquées. Ouais, tu fais mettons ça. Mais c'est peut-être parce que debout, ça avait pas de sens. Ouais. mais peut-être que coucher ça n'a pas plus de sens, mais peut-être que finalement ah. c'était là qu'il allait, tu sais. Ouais. De regarder des angles différents. Je comprends. Je comprends. Mais désolé pour la joke visuelle pour les gens qui écoutent audio. Ouais, C'est comme leur euh... faux. <laughs> Prenez le timecode en note. aller voir. -moi. <laughs> tu vois qu'il déplace un verre dans l'espace. Ouais. La chose la plus éloquente <laughs> que j'ai jamais faite. Ici. <laughs> ah Nico, on va parler de Nico. Je suis là. Serais-tu capable d'être en amour avec une personne qui est pas dans le milieu? Qui n'est pas dans le show business. Parce que dans le show business, pas mal. Tu euh, l'apprends? Non, non, non. Ben oui, ben oui. En fait, là, ouais, wow, hey. ouais. Wow, hey, pour moi, en fait, c'est complètement dissocié là, de, de ça. Ben, en fait, j'ai l'impression que je fais partie du show business, mais je suis un peu quand même à l'extérieur du show business quand même. J'ai comme un, une, jambe, un... une jambe dedans puis une jambe en dehors. Fait que pour moi, j'ai vraiment ben, une difficulté à connaître. Laquelle? Euh... Parce que tu es un artiste? Tu étudies là-dedans, tu fais ça, tu ouais. travailles. Ouais, mais c'est quand même rare que je suis un cam, tu sais, puis que je que suis. Euh... Tu sais, je suis pas connu du public, ma tu sais. Ah, pour moi, le show business, c'est je... pas juste le Pour ouais. moi, le show business, c'est pas le végétariat, c'est juste tout ce qui a rapport. La... Le milieu. Gál... Je... Ouais. Le... Tu es dans le milieu culturel. Est-ce que tu te ouais. verrais avec une fille pas dans le milieu culturel? Ouais, oui, absolument. Ah, cool. <laughs> ouais. Cool. Genre, mais moi, peut-être un scientifique. Oh, OK. Souvent, les scientifiques sont. Ils n'ont pas de fougue ou de chaleur. Ils n'ont pas de charisme. C'est vrai. Les oui. <laughs> Des grandes discussions là, sur les bébites et la biologie, j'adorerais ça. Mm. Mais c'est ça, maner. Euh, si prend vous êtes chose. scientifique, vous êtes cochon, écrivez-nous. Ça, me, ça nous arrêtez nous de m'écrire des affaires cochonnes. Non, 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 pas <laughs> à moi. Bon, non, non, pas. Mais okay. je Écrivez à, écrivez à moi SF. et dites-moi salut. Je okay. euh, <laughs> suis bon avec euh, les pilules. Et waouh, wow, je suis très cochon écrivez à couple ouvert podcast à gmail.com ouais. votre fantasme euh, scientifique ouais <laughs> oui euh, ouais, genre pas, ben Bill Gates tu vois euh, non. non non mais okay. mettons euh... avez-vous un fantasme que un, une personne qui a fait oh yeah faudrait que j'ai un rapport sexuel avec cette personne-là mais c'est pas évident comme tu sais pop et Cruz cruise là c'est évident, pis le pis gros, c'est envie ouais, de okay. coller. Y'a-tu quelqu'un qui fait comme, hein, voir que cette personne-là. Le gars qui fait la voix de Beau Jack Horseman. J'ai quelque chose avec sa voix. Fait un effet, là. <laughs> ça répond tout de suite! Ça, ça veut dire que y ça y y travaille, souvent. là. <rire> oh. <rire> ça me travaille. Oh. Nico, peux-tu aller voir s'il si est beau, s'il te plaît Il est vraiment beau, Will Arnett. Ah, c'est bon mais, je Will dans Arnett, un, mais Will Arnett, c'est un grand... Oh là là mm. Je comprends. Mais Will Arnett, c'est un, un, un cochon, là. Ben, il y a une voix euh, qui me fait quelque chose, ouais. Je comprends. J'aime les voix. Je comprends. Je comprends, je comprends ça. C'est important, la es, voix es, de quelqu'un. De quelqu'un Euh... euh non, Mais ben, moi, je l'ai déjà dit, mais Céline m'excite. Céline Dion Céline Dion, hey, hot. Oui! Mais pas, pas! Ok, mais là, je pensais que c'était un peu plus absurde, là, non? Comme la question. Mais ben, c'est vrai que personne mais... dit que c'est son fantasme sexuel, Céline. Je connais beaucoup Alors, de gens qui font que... Céline, j'apprendrais. <laughs> Moi, j'apprendrais. Okay. Elle veut pas, là. <laughs> mais... Tu l'as demandé. Moi, je pense pas... que tu te faisais Je me ouais, vois puis... pas, la DM, la personne qui s'occupe des réseaux sociaux de Céline, je l'apprendrais, Céline mais mettons que DM c'est pas la meilleure façon mais peut-être que si tu la Est-ce que c'est son titre qui te donne cet effet là C'est-à-dire mettons que c'est juste une femme dans la rue tu la croiserais C'est vraiment le c'est ce qu'elle représente. C'est ce qu'elle représente. C'est big pareil. Oui. Ben comme Madonna ou Lady Gaga Oui mais c'est plus c'est dire rouge c'est clair Madonna c'est un sexe symbole je veux dire. c'est très oui j'ai beaucoup de plaisir à regarder Madonna mais c'est moins tu mettons Madonna elle veut qu'on la désire. Ouais. C'est Dans ses vidéoclips. Ah, ce que t'aimes, c'est que, dans est ses oui, est que elle, oh, ben son ouais, approche n'est pas sexuelle. C'est ça. Fait que là, toi, mais tu moi, fais comme. Moi, fait que dès moi, que. Moi, à la feuille, là. Ah, moi, vrai, pas. Non, dès moi je dès qu'elle qu que est en camisole, c'est. Je ne considère constate pas qu'il y a une faille. Je constate que sa sexualité, a hurle qu'elle est sexuelle, mais personne capte son message. Mais toi, vrai, je suis tellement d'accord. j'ai tout compris ça. Je suis tellement d'accord. Elle doit être super sexuelle, Extrêmement. Elle dégage ça. Oui. Mais moi, tu vois, je pense que mon fantasme, ça serait justement quelqu'un de pas du tout, justement, dans notre domaine. Ça serait oh ouais. comme d'aller au centre-ville, faire un 5 à 7, puis pogner, genre. Un architecte. Un architecte ou un. Pogner un boulon ça. Puis tu, tu dis, euh, j'ai un podcast, puis c'est même pas c'est quoi un podcast. Genre! Ouais. <laughs> mais pour pas... fait, ça te permet. Mon... Moi, c'est un moteur, j'ai pogné un anglophone l'autre fois, puis pendant un instant, je suis comme, je suis quelqu'un d'autre. Je oh, suis pas, ouais. je suis pas, je suis je suis comme l'anglophone. <laughs> Qui, qui est pas du tout dans. Ma... C'est vrai que ça fait. Oui. C'est ouais. ça. ça fait C'est ça un fantasme. Oui. Comme... Exact. Puis moi, qu ce un que j'aime aussi, c'est que. Mais ça revient un peu à ce que tu disais, c'est que tu peux vraiment être. partir à zéro avec quelqu'un. Oui. Puis choisir qu'est-ce que tu y dévoiles. Oui. Que... Tu sais. Ça fait oui. changement du voici ce que je suis. Euh, Toi, aimes-tu ça? Ouais. Moi, j'aime ça. C'est ça. On ouais. la même, la même pitch de vente. Ouais. Est-ce que vous avez une valeur que. Si cette personne-là ne partage pas cette valeur-là. Il n'y a rien à faire. Bonne question. Pas le racisme, parce que là, évidemment, il y a l'homophobie raciale. Oh oui, il est, a... hein, est femme, il est antisémite, qu'est-ce que tu veux faire? Non, non, là. Mais il <laughs> y a -il une valeur. Que, là, comme moi, par exemple, la générosité, Si t'es pas généreux ouais quelqu'un de cheap genre ouais. quelqu'un qui qui, qui ça, fait, fait, fait pas fait attention à ce qui type là comme... ça pourrait jamais marcher moi aussi. ça pourrait jamais ça jamais ça me jamais rend mal à l'aise moi aussi voilà ouais. ça pourrait jamais ouais. marcher je... mais généreux aussi je trouve que c'est dans le temps c'est dans le oui. ouais, tu sais dans peux... l'écoute ouais. qui... dans le sexe disons le ouais 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 ouais, ouais, ouais. bonne ah, valeur tu... c'est la même que moi je, je partage aussi ok c'est vrai que y a comme il y a un malaise quand quelqu'un calcule ou à scène près J'ai ça puis ça pour pouvoir dire à Stephio, je ça, ouais. là le fait puis y a pas après ouais, on discute. De... on ne calcule pas tout à la scène ouais. près. Je comprends. paraît que donner fait plus du bien que recevoir. Le recevoir c'est le fun. C'est le fun <laughs> aussi recevoir. <laughs> oui, c'est vrai. Il faut les deux. Je comprends. Mmh, mais j'essaie de trouver autre chose parce que oui, bien sûr, je pense que ça c'est important. quoi d'autre? Ouais. Mais je pense que euh, moi je travaille. Je, je, moi, ça serait un peu d'empathie. Ou peut-être que ah, l'empathie, oui. c'est pas le bon mot. Mais c'est que moi, j'adore. J'aime les gens différents de moi, puis différents entre eux aussi. Mm -hmm. C'est ça qui me fait triper. Tu sais Comme dans mes cercles d'amis, on est... C'est on on, souvent ça qu'on qu souligne, puis dont on rit. C'est qu'on est tellement différents les uns des autres. Mais je trouve que tu apprends tellement au contact oui. de gens différents de toi. Oui. C'est ça qui te fait grandir. Ça te fait penser à des choses différentes. Quelqu'un de ça... social. Et ouais. ça te surprend, moi. Il y, y a de quoi de comique quand.. Moi, le plus comique, c'est quand... Aux élections, ça ressort. Là. Les gens qui ne reviennent pas Québec Solidaire soit pas majoritaires. Mm -hmm. Parce qu'il faut juste traîner avec des gens qui vont comme Québec Solidaire, c'est le meilleur parti au monde. Je ne remets pas ça en question. C'est pas ça que je dis, c'est fais juste traîner avec des gens qui te ressemblent. Mm -hmm. oui. C'est comment ça, quest que tu dis, comment ça, Trump est passé? As-tu déjà écouté la télévision américaine? Mm -hmm. Est-ce que tu es déjà intéressé aux Américains? Mm -hmm. Bien sûr que Trump a, mm -hmm. il y a des... est passé. Mm c'est -hmm. vrai. Au moins une autre valeur importante je pense euh, le goût pour les arts mmh. une sensibilité pour les arts comme il y, y a quelque chose dans ouais. le domaine artistique qui t'affecte puis qui t'es je sais pas qui t'aime quelqu'un mmh. qui s'en fout un peu de tout qui met n'importe quelle je sais pas musique ou... moi j'ai jamais sorti de quelqu'un qui ne pas lire mmh. c'est super important que tu saches lire ouais que tu saches non. Ben genre, oui, je recommence. C'est pas important écrire, que tu aimes lire. Ouais. <laughs> que tu saches lire. La base. La base. Genre, Les du... critères, là. Déjà, il était chaud, okay, le matin, puis il faisait comme il fallait que tu appelles pour donner la réponse à un je sais pas quoi, là, un genre de, ouais. de quiz. Puis tout, pis là, il disait tu vous pouvez aussi répondre à, par Allez. Internet le gars il a appelé puis il a dit excusez-moi je pouvais pas répondre par internet j'ai pas d'ordi je sais pas là. Il y a plus de monde qu'on pense qui savent pas lire. Je sais mais en même temps j'ai trouvé ça, ça tellement le... juste une confession ouais. du ouais. jeudi matin 8h32 à Chambre il a <laughs> 12 minutes pour dire quelque chose. Ouais. Il a dit la réponse puis il a dit excusez-moi ouais. j'ai appelé puis j'ai pas d'ordi je sais Je sais, je pas je lire. sais que c'est de cure mais je peux pas l'écrire. <laughs> <Donc, rire> hey, ouais, tout ce qu'ils disent c'est à l'oreille. Mm -hmm. hey, mais on est chanceux d'avoir eu d'avoir appris à lire. Tu hein? T'imagines, là, tu sais pas lire, essaie d'apprendre. C'est tough. C'est très mais difficile. Juste, mettons, euh, apprendre, euh, apprendre à, lire, à lire du grec ou ouais, apprendre à lire du apprendre russe. apprendre à lire le chinois, euh... c'est du chinois. Mmh. <laughs> c'est complètement du chinois. Mais pour vrai, c'est dur. On est privilégiés d'avoir eu cette... Euh... Une éducation. Ouais. Bien dit. C'est euh, le seul mot que je cherchais, <laughs> mais <monsieur> j'ai pas <Paul> d'éducation. <laughs> Est-ce que tu as un été chargé, cet été Ouais, quand même. Euh, ouais. ouais, mettons fin juillet, c'est pas mal back-à-back euh, -back des shows, des festivals, des galas. Ouais. Est-ce que vous aussi, vous avez le réflexe quand vous dites des festivals de faire festival Non, c'est festival. Je, je, Gilbert, à cause de Gilbert Rozon j'ai pas ce réflexe-là. <laughs> toute une prémisse, hein? Comment? Ça? <laughs> oui, je, je À une époque, je serais juste pour rire. Je serais à billetterie. Une raison pourquoi je autant. <laughs> <laughs> T'as juste travaillé à la billetterie, c'est ouais. vrai? Sur Scène 4, là, la ouais. vitrine? Je vendais des billets. C'est extrêmement formateur. Pas vrai. Oui, c'est extrêmement formateur parce que quand tu as une mauvaise job, tu écris, écris mieux. Et à m'amener, j'ai participé à des réunions avec Gilbert Roson parce qu'ils se sont dit Ah, il a fait l'école de l'humour, il est auteur, pitchou les idées en marketing. J'ai côtoyé Gilbert Roson des réunions. Puis il était, c'était à l'époque, c'était en 2012, pendant la grève étudiante. Puis il était contre. Ouver grève. ouvertement à la grève étudiante. Lui, il est contre que les gens s'éduquent Le hein. moins cher. Mm « -hmm. hein, Vous êtes dans la même position depuis Gilbert. »« On, <laughs> on traversait les piquets <laughs> ensemble, main dans la main. <laughs> »« Avec Alex Perron. <laughs> »« Tout un trio. Toi, Alex oh, wow. Perron, Gilbert. <laughs> C'est tout un sitcom. <laughs> » Et un donné, il est conf... allé à RD pour faire un débat avec Gabriel Nadeau-Dubois. Mm. Et Gabriel Nadeau-Dubois a dit euh, « Les festivals. Puis, tout le débat est autour, autour de et Zoe il a dit des festivaux, il a fait une faute de français. Puis, quand ah! il est revenu des bureaux, il crie ça à tout le monde. Je l'ai à sa place, le petit fendant. il a dit des festivaux, des festivaux. Alors ça m'a marqué, ça. Fait que je dis plus wow. jamais des festivaux. Ça a à plus d'allure que si j'aurais avoué que ça pourrait sonner bien. des je Oui, comprends. je comprends. Puis j'aime que tout un mouvement étudiant wow. aime ou aime pas. J'ai ai ai entendu plein de bons arguments contre. Oui, mon amour. Euh, mais t'as jamais dit ben là le leader du mouvement du festival fait que ça vaut rien <rire> ouais <laughs> c'est ça il perd toute sa crédibilité ouais. à cause d'un lapsus mm -hmm. vous votre été du chargé bon, on a un bébé fait que tout déchargé. <laughs> est chargé c'est vrai chaque jour il ouais. il... des fois je me trouve dans le jus puis je fais j'ai pas d'enfant je peux faire ce que je veux ben non non c'est pas vrai ça je dis, non c'est pas vrai que tu peux faire ce que tu veux t'as quand même des, des exigences ouais j'ai un chien je suis d'avis que c'est beaucoup plus tough s'occuper d'un chien qu'un bébé non ben non tas déjà bon, un bébé ben euh, mon, mon chien j'ai jamais eu de bébé mais mon chien c'est comme avoir un, un enfant euh, handicapé mental vieillissant ben c'est quand même lourd c'est beaucoup de année année lien tu comprends pas c'est c'est très faut être clair avec nos, nos intentions non c'est vraiment top un les chien les mots c'est pas assez faut faire voilà ce que je veux que tu fasses Tandis que le bébé, il fait tout ce qu'il ouais C'est épuisant. Pour... Il, il finit par apprendre puis il y a être ouais. bright. Ça voilà. D... Ça devient le fun. Voilà. Un chien, c'est tout le temps pareil. Il y a de la lumière au ouais. bout ouais. du tunnel. Ouais. Le chien, c'est. Le Ouh. chien, c'est. Moi, ça travaille le beaucoup plafond, ma patience. Je comprends. Ouais. C'est beaucoup plus tard ce que tu fais que nous, ce qu'on fait. Non, je suis pas d'accord. Mais moi, c'est pas grave si elle meurt. Nous, tu aussi, sais. on va faire un autre. <laughs> 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 si le bébé meurt, on va faire à croire que c'est pas nous autres puis on va plein d'empathie. C'est le fun. C'est ça. mais pour vrai, ouais si l'empathie qui vient avec le drame mm -hmm. il y a quand même un plus mm -hmm. moi mon rêve là, ce serait d'avoir un enfant de le perdre puis de le retrouver dans le Cabanon six mois plus tard mais pendant six mois tout le monde m'a donné de l'attention j'ai été dans le sud pas congé finalement il était juste il se débrouillait dans le Cabanon ça va jamais arriver Aviez non vous va vous... mourir oui. avez-vous l'extrait de Nancy Grace qui interviewe un monsieur ah, oui. Oui. le monsieur il dit que son fils est disparu puis pendant l'interview oui. et comme on vient de retrouver votre fils dans le sous sol puis il est comme Quoi? Hop, ah, il joue la surprise ouais, parce que finalement, c'est lui la qui la faute des parents. C'était oh, oui, gros, ça. C'est incroyable. Oh, wow! Des ouais. moments en cam de même, là. C'est fou! Ouais. « Le true crime en regorge. T'es-tu une fan de true crime? Ouais, quand même, j'aime tout ouais. ça. Ouais. Je trouve ça excitant. <laughs> c'est super excitant de, de se dire, moi, moi, je ferais pas ça. Je, <laughs> ouais, moi, je ferais je, pas moi, ça moi, de même. Moi, je suis une bonne personne. <laughs> moi, je, je tuerais pas quelqu'un. <laughs> Qu'on est en train d'écouter. Ah, mais nous, c'est ça, on est en train d'écouter le documentaire. Le soup soupçon. Soupçon. Ça meurt à faire. Sur Netflix. C'est un politicien, une vraie histoire. C'est un politicien belge qui euh, il prétend que je connais que sa blonde. <laughs> il a fait une <laughs> sieste. Et après sa sieste, elle s'est suicidée. Elle s'est suicidée. Dans la salle de bain de la chambre d'hôtel. Oui, avec 36 coups sur elle. Et des coups au crâne. Et des coups. Mais elle s'est su suicidée en se donnant des coups. Non, elle s'est suicidée euh... avec un sac à plastique. Ben elle a plein de bleu, ouais. Mais Oui. Mais le sac en plastique il est pas genre sur sa tête, il est devant son visage puis il fait comme assez asphyxié avec ça, comme ça avec sa main. Là. Voilà. Ouais. Et Comment tu pas... pensais t'en sortir Tu penses que le coroner fait juste. Ah, il s'en sort. Est mort puis il y a de dans pas le sac. C'est pas cercle. un punch dans les le premiers sont... le premier cinq minutes, il s'est pas arrêté. Il s'est arrêté. Il est dans le le, donc le mot il soupçon c'est ce qu'il y a pas. Dans euh... tout le documentaire, <laughs> c'est ça le titre. Mais ce qui est génial de documentaire, c'est, à mon humble avis, c'est un profil d'un menteur, ce que. En plus, c'est un, un, un policier. Mmh. Mmh. Oh, ouais. Mmh. Mais il es ou est, y est es tu Métoman ou il est. Il a tué ma femme, bon Chris, puis je m'en suis sorti, Fait ben continue, hein. <laughs> continue. Il est comme dans un ouais. narratif qu'il faut qu'il tienne. Ouais. Ouais. Yo, moi aussi, j'ai tué quelqu'un, puis je m'en suis sorti, Fait ben continue, hein. <laughs> Mais comment Il aurait il répétait... pas plus cette envie si tu me fais battre en prison, hein. Mais j'ai appris, tu sais quoi, dans un autre documentaire que là, j'ai écouté quand t'étais pas là, justement une soirée d'humour, <laughs> puis que j'écoutais la télé doucement à la maison, bien <laughs> tranquille. <rire> Euh, qui était aussi sur un cas impliquant une femme française qui est décédée en Irlande. Ça s'appelle oui. Sophie quelque chose. Oui, euh, sur Netflix. Oui, oui, je l'ai vu, ça. Super bon. Ouais. Puis j'ai appris que, tu sais, nous, notre système de loi, il est basé sur le système britannique, bien ouais. entendu. Mais en France, il n'y a pas la présomption d'innocence. Il marche par ce qu'il appelle le bouquet de preuves. Fait que le si bouquet. tu rassembles. Le, le... C'est comme une game de clous genre tes cartes c'est ça là vu que lui pas là puis lui pas là ça veut dire que lui en cas, c'est ça c'est qu'il élimination. a aussi il y a une différence c'est que nous chez les britanniques et nous c'est aux États-Unis c'est des innocents et c'est à l'état de prouver ta culpabilité en France c'est l'inverse à l'état comment l'état la couronne c'est la couronne plutôt à prouver ton Ouais, Oublie pas qu'on est en monarchie. Ça. <laughs> qu ça la couronne. <laughs> Tandis qu'en France, c'est l'inverse. Si tu es coupable, il faut que tu prouves que tu es innocent. <laughs> ça explique pourquoi le Belge, il parle des polices, il fume des cigarettes, puis il fait ⁇ Ok, là, mais là, buvait pas mal !⁇ Mon on va préférer du documentaire. C'est, tu vois, des images où il parle à la police. Puis j'ai déjà été ce gars-là. C'est quand On dirait qu'il a pris deux verres, il fume des cigarettes, puis il dit ⁇ Moi, vous parlez de ma blonde, Chris <laughs> ⁇ vous pensez qu'elle est de même. Vous mais là, là. Une femme! Il bien prendre un verre! Il ouais, c'est ouais, une ivrogne, c'est une, une... malade mentale. <laughs> On dirait un meurtre et mystère dans la vraie vie. Parce qu'on a oui. tous été. Non, parce que moi, en tout cas, là, pas tout, mais je puis je m'inclus, puis vécu. Des... J'ai souvent été sous avec des amis. Puis expliquer en disant, là, ma calice de blonde, là. Vous savez, ma femme! <laughs> euh, alors, euh, on était en voiture et euh, elle a ouvert la portière et elle est, elle est allée dehors et elle est tombée. Euh. Oui, selon Lui, mais tu la tout le temps se tuer. Elle <laughs> fait <laughs> un pattern de vouloir se tuer. Alors, mais surtout, moi, j'ai sur déjà voulu me tuer, puis maintenant, mais jamais en, après une sieste. <laughs> C'est jamais en te réveillant d'une bonne sieste qui était comme. Ah non, je ah, me suis mal exprimé C'est qu'il y a une grave <laughs> chicane Une chicane qui dérange tout un hôtel okay. Une grave chicane Elle graffigne Elle va dans la salle de bain Et il fait Hey moi je suis pas défoncé sur de l'adrénaline <laughs> Pas du tout Je vais faire une sieste Pendant qu'elle prend une douche Pendant après... que lui il faisait une sieste Ouais cest ah. Ah, tu pendant que lui il faisait une sieste C'est ça Moi je sais pas si c'était comme moi mais moi. Il après... a pas fait de sieste Il l'a tué ça ressemble à ça ou après ça, sieste ça ressemble à un homme qui a battu sa femme à mort oui, oh my ça. god <laughs> ouais, ouais. non c'est fou Red oh, ça ressemble à ça là vous savez <laughs> ma femme euh, elle est particulière ah, c'est drôle il y a des <laughs> politiciens qui parlent avec ses doigts là, comme un politicien un grand Ah, il enlève ses lunettes puis il pointe avec ses lunettes ok ouais il de... gesticule okay, comme ça il vous expliquer il est incroyable c'est ouais. incroyable, oh, ouais. incroyable. Ouais. Voilà. et il euh, y a ça. un moment qui était weird c'est qu'il y a une très belle fille je pense que j'ai trop exprimé qu'elle trouvait belle que ça devait bien son air. Mais là, un man... <laughs> d'un précédent mariage il y a une fille pis la fille elle défend son père et parce tout. que le gars est très laid mais sa fille est splendide elle reste splendide bleu lui il est comme ben à chaque fois qu'elle est à l'écran en tout cas c'est elle elle la défend son père <laughs> pis c'est sûr que tout le monde l'écoute c'est sûr <laughs> ben, quand ben, elle parle avec des lèvres de même <laughs> comment tu peux penser qu'elle m'aime <laughs> okay. tu sais la première fois ok je suis comme ok là c'est vrai est là, est... <laughs> mais là à chaque fois ouais, plus à en tout cas là, sa fille elle l'ont mis sur couverture coffre du journal <laughs> alors, on sait pourquoi ah, ah, As-tu vu la photo où ils ont choisi en plus? Ah oh, mon dieu, je suis ça qu'elle est devenu influenceuse, prend son sel. La stock! Je <laughs> t'avais dit parler, je savais dire bon documentaire, madame. T'as ouais. bien fait de défendre ton père. Qu'est-ce que je me suis vraiment dit? J'ai un crochet bleu va répondre. <laughs> je suis plus abonné qu'elle. Elle va répondre. <laughs> Ouais. L'abonné! qui va répondre! ton nombre répondre! Elle va répondre! C'est ouais. ouais. à... vrai, hein, Elle, elle, elle peut... va répondre, la belge! Ah <laughs> <laughs> ouais, ça va, c'est Thomas! Toi, c'est. Ah ouais, toi, je sais quoi, t'es qui? Il y a moins de monde qui savent c'est qui qu'il qu y a de monde qui savent t'es qui! ça a changé, le, le, ouais, le show de Netflix! Mais me te me te dire comment, dire. Comment, mais moi, c'est pas une question, <laughs> que je suis plus populaire, c'est une question de. Ah, elle va répondre! Oui, j'ai. Ouais! Je suis légitime! Ouais! J'ai ouais. mon J'ai un podcast, madame! Ouais, puis à quel point. Viens, coupe le Viens, pas viens, toi, mon Pas besoin de Steph à ça. Ah, on peut prendre l'avion maintenant. Façon, là. Je suis bien à la maison toute seule. Ben, hey, bah ben, ben, ouais. À ben, ben, à la maison, on fait <laughs> ça le soir. Oh, Est-ce qu'on lit une date, les on amis? On lit une date. Je pense qu'on a une date. C'est le segment des dates dit par Eros et compagnie. Oh. À chaque semaine. Pas à chaque semaine, mais plusieurs. Les dates, c'est horrible. <laughs> c'est horrible, les dates. Et nous, on demande à nos téléspectateurs et à nos. C'est horrible les dates ou mettons si t'avais une date avec la fille du documentaire, ça serait moins Mais pour elle, mais ça ne pour qui Moi je serais prêt. Elle, elle nous écrirait Ah ouais, Elle, a une vraie coupe ouverte. voici ma pire date. j'ai daté le gars de coupe ouverte. c'était terrible. Ouais. Il me montrait des vidéos, pis bref. Ah oui Des vidéos. Des Beatles. Check, je connais un full bon band. Pas grand monde connaît ça. Il s'intitule les Beatles. Mais je me suis déjà fait demander connais-tu les Beatles, une date Connais-tu les Beatles? Euh, »« Ouais, <laughs> euh, ils sont bons, hein? <laughs> mais mais c'est correct d'assumer que pas nécessairement tout le monde sait, sait qui, mais c'est assez mondial. <laughs> ils ont vendu quelques albums. Connais-tu ouais, les, Beatles, connais les Beatles? Bon, hein? oh, On parle, aimes tu la musique? Oui, connais-tu les Beatles? »« Si t'aimes les gens qui Ben, ils aiment l'art! De toute évidence. T'as dit tantôt que c'est important qu'ils aiment l'art, alors c'est ça que tu as communiqué. Ben, oui. Je répète la promo pour qu'on soit rémunéré. Pardon. Et ross non, c'est pas ta faute, c'est ma faute. <laughs> c'est ma Segment des dates. Nos téléspectateurs, nos auditeurs nous envoient les pires dates. Mais là, Eros et compagnie, comment dire ça? Au lieu d'avoir une date minable comme Maud fait tout le temps. Yes! t'es <laughs> temps libre. <laughs> reste à la maison, puis masturbe-toi. Pour te masturber, Eros et compagnie. Il y a tout! Tout! Fait que let's go. Coupe le 15. T'as 15%. 15 essaie les affaires. Tu te dis, ça, ça rentre-tu? Essaie-le. <laughs> Essaie-le. <laughs> Va voir si ça rentre. Le ça truc, c'est d'y de, aller graduellement. Bon, c'est bon à savoir. C'est ça, c'est important de le dire. Alors voilà, coupe à 15, puis vas-y graduellement. La Tout date. rentre, on peut sortir des bébés de là. oui ça Mais c'est pas, pas, y a, pas y a pas juste aurais fait ça C'est vrai. Là aussi, il se travaille. <laughs> il <C> se <'est> travaille. <laughs> OK. <laughs> Faites-vous ça, vous? Euh... De l'anal, des fois. Ouais. T'as-tu la question? Ben ouais, oui C'est pas ça que J'ai <laughs> même pas fini ma question! L'anal, oui! C'est vous, des fois, un petit album début L'anal, oui! Enfin, quelqu'un nous le demande! <laughs> On peut-tu en parler? Son père ne nous demande jamais ce question-là. <laughs> Ah. c'était quoi ta question c'était ça j'étais curieuse <laughs> toi vous êtes ouvert en plus d'en parler euh, moi j'ai déjà eu des gars qui étaient curieux mais je n'ai pas j'ai pas cette tendance moi j'aime vraiment le plaisir de l'autre fait que si ça lui fait plaisir je comprends puis que ça ouais. c'est pas mal j'ai des gars euh, non mais il y a des gars qui voulaient euh, que j'aille dans cette zone là ouais ouais mais ben, c'est une zone érogène avec le t'as le... comment c'est fait c'est ça ça dépend ça dépend tellement de circonstances ouais. tu peux ouais. faire tu peux faire tout avec quelqu'un d'extraordinaire. puis je peux faire rien avec quelqu'un qui qui de la marde je comprends ça c'est très bien vraiment dit c'est vraiment ça dépend Waouh! Wow. ça c'est la citation maintenant du podcast oui vraiment wow. bravo c'est un, un honneur tu un homme ou une femme qui te décrit je le sais pas Bon, on va le découvrir. C'est-tu trois pages de document Word? Non, c'est -ce... plusieurs okay. dates. Ah, on sait que c'était une... Là, j'en ai une sur une première page. OK. Ah, oh, dame, je me souviens bien. J'avais déménagé à Montréal après une séparation difficile. Après deux, trois mois pendant la fin de semaine de Pâques, mon meilleur ami gay m'amène au Go-Go Boy dans le quartier. <laughs> je pense que c'est une fille. Faut que le 2,81 dans le quartier gay, au moins, il finisse à poil. <laughs> right, ladies. <laughs> OK, on s'assoit Ah, au puis ça, il semblerait que... Aux 2,81, sont toutes homo, puis au bar gay sont toutes Ils Sont, sont, étaient... sont toutes hétéros. Semblerait. Ah. Comment je sais ça Je suis pas sûr, mais je le répète au monde. Ok. Alors. Tu euh, comme bien d'autres affaires. Ouais, comme, comme ça, c'est. Je vais te résumer je ma suis carrière. Plein d'affaires que je, je pas. Je pense sens. avoir entendu quelque chose. Ouais. Moi, je dans le même podcast. Je fais, je fais plein de speed, puis euh, je répète des affaires. Bref. On s'assoit au bar. On a du fun et je spot le débarrasseur. <laughs> le boss boy. Moi, ouais. il... ouais, j'aime. Avant un endroit, où il y a plein de travailleurs du sexe. Le seul gars qui vend pas ça, fait comme c'est lui que je veux. Oui, mais ça ramène tantôt à qu ce qu'on disait par rapport à avoir à fantasmé sur quelqu'un qui. que qu tu sort de toi-même. Voilà! Fait qu'elle, c'est le boss boy qui a spoté. Non, c'est pas le boss boy. C'est peut-être <laughs> comme. Non, 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 c'est le bouncer. c'est celui qui vide le club. Le boss boy. Le boss boy. Le débarrasseur. Mais <laughs> <Le débarrasseur. rire> ben, je peux y débarrasser les, les assiettes, les dents. <laughs> que c'était ça, un boss boy en français. On dit un videur, ceux <laughs> qui. <laughs> c'est ça, t'as raison, ben, je pense bon c'est bon 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 pas boy. Mon amour, mon amour. Mesdames, mesdames, okay, okay. Attends, mesdames, mesdames, qui... Ils ne servent pas de la bouffe d'ailleurs. Ils ne servent pas de la bouffe. Mais ben oui, des chips, danses. des pop-corns. Dans t as t as pas besoin d'un de... <laughs> À quel point il faut que tu sois tellement longtemps... Au danseur que tu fait. Eh oui. ouais, on parle collation. ah oui. Voyons, faites pas de snack. T'amènes ton laptop sop et Non, pas <laughs> <it>? Non, le <laughs> snack, c'est les hommes. C'est pas décevant. Imagine-tu Mais j'ai dit de manger une petite péprette, <rire> <rire> Arc. C'est la paix, odeur que je veux dans ma bouche si je regarde des pénis. T'arrives <laughs> même trop pour ce que Vous êtes suis, pas mais... du bon monde. Vous êtes pas du bon monde. Vous, les êtes les pas... vous êtes pas bien. Tout ce que vous voulez, c'est manger pour voir des hommes avec des gros pénis. <laughs> ça, <laughs> Puis tout ce temps-là, vous voulez coucher avec le boss boy. <laughs> tu regardes le boss boy. Il y a un gars qui se Il y a un gars prend des stéroïdes Il est au gym à tous les jours. Il nous en colle, c est ici. C'est le gars fatigué qui oh, repasse des verres. Amène-moi une petite peu Fait que là, trip sur le videur qui est peut-être le boss boy <laughs> ou peut-être. Je Peut-être un. Le débarrasseur. Ouais. Oh. C'est un videur, je pense. On va voir, là, ça se poursuit. Un bon gars, cheveux foncés, yeux bleus, en shape, mais pas trop. Contraire de son ex. Pour ça, c'est un rebound. Ah! Oh. Juste 100% mon genre. Je commence à lui parler. Il m'invite à aller prendre un verre, une pause cigarette. Je regarde mon ami, qui a la gueule à terre, et qui me dit « Go! Quoi tu attends? »« Quoi tu attends? » Ben, « Quoi tu attends? Ben, »« Go! Quoi tu attends? » quoi, <laughs> <laughs> quoi tu attends? Ben, » J'y oui. vais, <laughs> ça clique, puis... Pis on, il manque quelques mots mais j'y vais. Ça clique, puis on se donne rendez-vous après la fermeture au AW en face. Quand, quand je rentre en dedans, <laughs> je vois mon meilleur ami m'appeler à l'aide avec ses yeux piteux. Il f... se faisait croiser par un serveur dans soixantaine. Je vote... Attends, peut-être que c'est vraiment un boss boy s'il si y a du serveur. serveur. Quand tu vois, vois son... la. Qui, qui, son qui des boss boy? Mais voyons, ouais. Tom, là, Boss Boy, c'est correct, là. Mais ben, les gars trippent ses serveuses. Ouais. Ils vont bien tripper ses Boss boys Qu'est-ce que t'as contre les Boss Boys? Okay. C'est vraiment sexy, un homme qui fait la vaisselle. Ah, oh, ouais. Il est là, c'est pas prend avec son gros bac. Ouais, de il est comme, ramasser, bebé, tu ben oui, vas ramasser, bébé, tu peux aller écouter un dessert. C'est super fantastique. Ben, goli. Right. Ben, plaisir. plus que quelqu'un qui se tient à la porte, qui colisse le monde dehors. Ouais. Depuis que c'était ça, là? Ça c'est pas ce que tu cherches ce soir-là. <laughs> les, les deux, c'est ça. Rentrer ou sortir. Ok, je vais à son secours. On passe une belle soirée. Je me fais approcher par certains danseurs que j'ai connus dans le passé dans ma ville natale car j'ai déjà travaillé dans un bar de danseurs <laughs> Je, je refuse un rough de danse gratuite car j'avais les yeux que sur le gars qui débarrassait les tables! I knew it de nous pour rien! Merci! On n'est pas connes! <laughs> On dit un videur! Débarrasseur! Ah, un débarrasseur! <laughs> Wow! Et moi, je me fais en ce podcast-là. Non! Il n'y a plus de couple ouvert. Ah. C'est pas bon pour ma réputation. Il n'y a plus de couple ouvert. À la fin de la soirée, ni. mon ami. Tu as couple ouvert, mais un autre gars que moi. OK. <laughs> un gars qui a moins souvent si tort. <laughs> un beau bas boy. À la fin de la soirée, mon ami m'accompagne à attendre au AEW. Faire sûr que je sois Faire sûr, c'est drôle. Sûr. Même si, en réalité, sure. ça serait moi qui me battrais car il est beaucoup plus frêle que moi. OK. Mais c'est son genre. C'est ça, C'est pas son ami gay? Non, le, 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 elle dit qu'elle a <laughs> pas peur de se faire tabasser par ça. Le gars, parce qu'elle est, est plus en shape. J'aime et... ça. On dirait une énigme. Qu'est-ce que j'ai commandé au IWV? <laughs> oh, c'est à la fin. Qu Qu'est-ce qu que vous pensez qu'ils ont commandé? Un teen avec une rondelle. Pendant qu'on attend, le gars qui finit son shift, un des danseurs noirs, oui, c'est important de spécifier, m'approche et me demande. Aimerais tu aimerais oh ça avoir un bon chocolat dur de Pâques? C'est excitant. On va dire à quoi je suis pas excitant? C'est ce qu'on fait là? Ah, c'était en avril! <laughs> si à la fin il demande c'était si quel mois, c'est un bon. bon ben choix. là, pourquoi pas que c'est dans le wind? C'est un problème de masse! <laughs> <laughs> je je résume la distance entre le bar et le A et W! Oh, ah, ouais. La langue! le débarrasseur! <laughs> Okay. Uh -huh. J'ai écl éclaté de rire. lui ai dit non merci, j'attends quelqu'un. Le gars m'a rejoint et vu l'heure, mon ami gay est venu dormir sur mon divan pendant que je couchais avec l'autre dans ma chambre. Au final, <laughs> moi et lui, on s'est fréquentés un mois ou deux <laughs> pour qu'il me laisse pour une fille de son cours et au final me recontacte pour me dire que c'est moi qui l'aimais. Son cours de boss boy. <rire> 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 Mais... Je retournais vivre dans ma ville natale. Alors, c'est une belle histoire. It was not meant to be. Puis tout ce temps-là, elle restait forte. Ben assurément. Ça On donne une voir. belle On réputation à Montréal. <rire> <rire> tu es là pour faire un rebound, puis <laughs> tu retournes chez vous. Tu dans ta ville natale. <laughs> Quelle histoire. Quelle histoire. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont commandé au YW? <laughs> Euh, une root, beer. Une root, beer. Une root beer. Une beer, frites de patates douces, oh, oh ouais. avec euh, des chubby, euh, des doigts là, des... ah les les euh, les, pou, les, pou, les les chubby, euh, d... Avant de faire l'amour, c'est pas une bonne idée de manger du de W? C'est pas une peut... bonne idée de manger juste avant de faire l'amour. Sauf si voilà. c'est comme des fraises du chocolat. Ouais, mais, hum. mais du W, ça, ça travaille là? Ouais, <rire> oui. <rire> oui ça travaille. Oui? C'est salé. Mais ton, ça déshydrate fait... aussi. Frenchy mmh. quand t'as soif. Je comprends puis si si t'aimes l'anal, mange pas du W. Parce ben, ça goûte oui. pas l'anal. Ça n'a rien à voir avec l'anal. <laughs> euh... oh. ah. Voilà, fin de l'histoire. On a un cadeau. Oh, merci. On a un... Un... Euh, quelque chose. Oui, vous voulez voir? C'est On ne sait pas si c'est. J'ai toujours voulu avoir une panique. belle boîte à lunch. <laughs> c'est vraiment pratique comme boîte à lunch pour aller oh, à mes ouais. shows en tournée. C'est quoi? <laughs> Ça c'est Buckplug. Ah, oh, un Lipsil Hey, oh, non, de je pense que c'est comme le truc que Christine Morancy parlait c'est c'est ça, tu? Pour, euh, mettre... ça? tu peux tu voir c'est comme pour l'anus parce que non je bon, pense a que c'est comme à un mini... la cire d'abeille ça oh, okay. de dire je pensais que tu sais, Christine Morancy nous avait parlé des genres d'un mini vibrateur en forme de rouge monde, à lèvres mais là c'est un vrai c'est vraiment l épicel. L épicel. Non, un moi ça fait longtemps que j'ai pas vu l'épice que ça le petit je pense qu'en fait je peux être utile là-dedans je pense c'est genre lui c'est tout ah oui c'est vrai avec ça ça tout. Être... Mais je pense que c'est un lipsil en fait. Que, que... Mais c'est euh, pas ces lèvres-là. Non, tu... <laughs> non, non, tu mets vraiment ça sur tes lèvres, mais je pense que c'est pour les fellations en fait. Ah! Oh. Ah, ça fait des. Je oh, pense ouais. que, ouais, ça que rajoute mais là, tu un filin. Ça... Mais... Ben, ça... je sais pas, veux tu l'essayer? Ça... <laughs> ça. Je peux-tu boire? Ben oui, mais pour vrai, c'est. Feeling. Mais ça sent en menthe. Fait que ça. I ça, fait... see ça change l'odeur de poche de hockey que des fois un pénis peut avoir. Excuse. Vu que ça sent le, la menthe. Ça de menthe. C'est supposé filer comme euh, du Tiger Bomb. <rire> <rire> euh, je sens plus mes lèvres. <laughs> tu sens plus tes lèvres? Non, ben, non, je pense. Pas vrai. Okay. <laughs> C'est un bot plug? Qu'est-ce que c'est? C'est trop. Si c'est un bot plug, c'est trop gros. pour moi. Non, non, regarde, c'est comme une petite langue qui bouge. Oh, wow! Une langue qui bouge! C'est pour imiter un. Un. Oh, c'est pour imiter un cunilingus? Oui! Ben voyons donc! Ah, c'est vrai, c'était elle, puis c'est son cul. Ben, je vais nettoyer. Au pire, avant, là, C'est pensé faire ça de toute façon. Oui, je vois. C'est comme une. C'est une langue! Oui! Wow! Pour vrai, c'est cool. Pour vrai, c'est cool. C'est drôle parce que tout ce que j'ai eu à date était mauve. Ah! Wow. Bon, ben, ça reste dans le thème. Bon, continue. Une couleur de. Y a-tu déjà des batteries non, supposées? Non, tu peux connecter USB. Ah, oh, fait qu'il faut, que, faut encore mets -il. que je me masturbe assis à, à côté de ma plug dans mon salon. Parfait. <rire> 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 ah non, Jamais mais je vais le charger. <laughs> Jamais trop loin d'une prise. trop loin d'une prise. Moi, ce que je vois pas, c'est ceux qui soquent on the wall. J'en ai ouais. pas, mais euh, comme tu te mets. Je pense que c'est dans la douche que c'est pratique. Ok, c'est un aimant en plus. C'est la petite bar Honnêtement, les, est, euh, les façons de recharger. USB, je peux le mettre dans Sont mon aussi dit. excitantes que l'objet. Je suis d'accord. je suis d'accord. Ah, oh, puis maintenant, ils, ils ont des petites cartes pour nous. Oh. Merci, Eros. Bonjour, Maude. L'équipe Eros te souhaite plusieurs soirées remplies d'orgasmes. <laughs> PS, j'espère que tu aimes Frenchy. Oh, ma femme frère, mon frère pratique à Frenchy, avec. <laughs> Ah, merci C'est donc bien original J'ai jamais eu connaissance que ça, ça existait. Moi non C'est vraiment un gadget nice. Ben, tu nous en donnerais des nouvelles. Coupe le 15 Coupe le 15 si tu veux ça. Ouais. Avec le ça avoir une affaire qui lèche ton clitoris, là. Ça te tente. Je pense que je vais mettre plein de d'épiciles dessus. On dirait un diffuseur à huile essentielle aussi. Ah, sacré Oui C'est vrai, ça fait... On dirait un Airglade, genre, <laughs> C'est drôle, ça! Oh. Wow. C'est incroyable. Hey, ben, J'ai vraiment hâte de, de voir ce que ça fait comme effet. J'ai mon petit sac, boîte à l'âne, je vais <laughs> l'amener en show. Tout est bon! Ah, oh, merci! Mais bon. ben, là, c'est tellement le fun! Ben, merci à toi. Merci de m'avoir invité. Fait que là, comme on a dit, as un été chargé. Si ouais. on veut te voir en spectacle, où est-ce qu'on a les informations? Euh, sur maudlandry.com. Tout mon rodage il va être là. Euh, les dates, je les connais pas toutes par cœur, mais euh, si est... jamais je joue, joue pas dans votre ville, vous êtes comme quand est-ce que tu viens à Saint-Jacques-de-Beau, de mm -hmm. je sais pas quoi, Écri écrivez à votre ville, quand il mm -hmm. y a de la demande, on s'arrange. Ouais. Ben, c'est ça pour toutes les Maurices, en fait, c'est pas ouais. juste moi. Puis euh, ben, c'est ça, les festivals <laughs> Moi, écrivez à Steph. Écrivez à Steph, je veux Tom à Tetford. Pour vrai, j'aime ai, ouais. ça être sur un show avec Thomas. On a toujours du fun. Ah, mais on pourrait faire ouais. affaires ensemble aussi. Ce serait le fun. On apporte la, la langue, puis let's go. On a <laughs> au moins, <laughs> moins 20 minutes. On a au moins 20 minutes. On a 20 minutes sur la langue. <laughs> ouais, ouais. Après, vous enchaînez avec votre matériel. Ah Ouais. 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 Mais. Oh parfait. faut finir, Exactement. faut finir avec la langue. C'est ça le <laughs> Faut finir avec le plus fort. Ben oui. Garder le goût. Mm -hmm. Bon, ben on va s'arranger pour faire des trucs ensemble cet été ou en oui. tout cas aussi tôt que faire se peut. Fait que maudelandry.com, on tue sur les réseaux sociaux aussi. Merci, maud. Ben merci, couple ouvert. J'ai fou l'aimé ça, c'est le fun. Merci, plaisir. Nico. Faut qu'elle le Ça fait plaisir. Merci, <laughs> Nico. Comme un délai, j'étais pas prêt Excuse. Yeah. Merci, Nico. Yeah. Merci, yeah. Nico. Merci, yeah. monde.